Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le challenge Disney vilain avec les copines. Donc voilà, c'est un make-up. Voilà, je vous avais dit qu'avec Amy, on allait faire le challenge Disney une fois par mois environ. Et du coup, j'ai décidé d'inclure Amy dedans aussi, puisque je me suis dit, vu qu'on le fait entre copines, autant le faire toutes les trois. Et voilà, Manon a accepté de le faire. D'ailleurs, c'est elle qui m'a attribué mon vilain. Voilà, voilà. Mais ça, on va y revenir juste après. D'abord, je vais vous partager vos participations, puisque vous avez été quelques-uns à participer quand je vous ai challengé sur Instagram. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, je vais vous partager tout de suite. Je prends les photos. Alors, nous avons tout d'abord Lynn, à qui j'avais attribué Hadès, qui nous a fait un make-up. Donc, vous avez les liens des vidéos et des IGTV en barre d'infos. Je vous montre juste les photos. Et voilà, donc il s'est concentré sur les yeux avec les couleurs d'Hadès qui sont très ressemblantes, avec le jaune en muqueuse et en coin interne pour les yeux. Donc, c'était très bien. Ensuite, nous avons... Alors, attendez, je cherche. Nous avons Marilyn Semaki, à qui j'avais attribué la mère Gothel. Et elle a fait un côté... de chaque, en fait, elle a fait le côté où Mère Gothel est vieille et où elle est jeune quand les cheveux de réponse sont magiques, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est très bien. C'est très bien d'avoir fait les deux. Ensuite, nous avons Madly Jessica, voilà, à qui j'avais attribué Madame Mime. Et elle a même mis la perruque. Je trouve ça trop bien, c'est trop mignon. Et voilà, elle a fait sa première vidéo sur YouTube. Bon, c'est une vidéo très courte, mais c'est la première qu'elle ait fait puisqu'elle ne pensait pas, enfin elle n'ose pas trop se lancer. Je lui ai dit lance-toi, voilà, quand vous avez envie de le faire, faites-le. Et pour finir, nous avons Alexis, à qui j'avais attribué le capitaine crochet et les sourcils et la moustache, c'est trop bien, hein, très bien fait. Et voilà, vous avez été quelques-uns à participer, ça m'a vraiment touchée. Par contre, j'attends toujours la participation de DJ, n'est-ce pas, hein, qui avait voulu participer aussi mais qui n'a pas envoyé la photo. Pas bien, je suis pas bien. Et voilà. Donc, on va découvrir maintenant le vilain. Moi, je le sais déjà. Voilà. Le vilain que Manon m'a attribué. Et donc, je vous mets les liens des deux vidéos de Manon et de Amy en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir les vilains qu'on s'est attribués l'une l'autre et le make-up qu'elles en ont fait. Coucou ma bichette, alors tout d'abord merci à toi Amy de m'accepter dans votre challenge du mois. Je sais que c'est les vilains Disney, donc pour le thème d'Halloween, je trouve ça super génial. Donc encore une fois merci, ça me fait vraiment plaisir. Et donc moi quand je pense à un vilain, je pense à Hadès, je sais pas pourquoi mais c'est lui qui me vient en tête. Et donc ce sera ton personnage que j'ai choisi pour toi. J'espère que ça te plaira, moi j'ai quelques idées que tu pourrais faire, donc voilà. J'espère que... Enfin, on verra ce que tu proposeras, mais je suis sûre que ce sera génial. Donc voilà, je te fais de gros bisous et à très bientôt. Donc voilà pour le message de ma petite Manon. Manon, voilà. Vous savez à quel point j'adore cette nénette et elle est toute douce, toute mignonne. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, que soyez Amy ou Manon. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et voilà, donc elle m'a attribué Hadès. Donc je vais vous raconter quand même... La petite histoire du jour, c'est que, notamment, je viens à l'instant de me démaquiller pour le make-up Ursula que vous avez eu lundi. Je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Et j'enchaîne, voilà. J'essaye de ce week-end, il faut que je fasse les 4 vidéos qui me manquent d'Halloween. Et donc, j'essaye d'enchaîner. Là, j'en suis donc à la deuxième. Et demain, je pense que je tournerai les deux autres. Et du coup, j'avais trouvé le make-up dès qu'elle m'a dit le nom du vilain. Je savais ce que j'allais faire. Sauf que en me démaquillant Ursula, ça m'a inspiré autre chose. Donc normalement, j'avais pas prévu de faire vraiment quelque chose de foufou. Mais on va ripper sur du un petit peu foufou quand même. Donc voilà, voilà. Donc on se base donc sur Hadès. Enfin, on se base pas, on fait Hadès. Make-up d'inspiration. Je vous le répète, c'est pas une reproduction, c'est de l'inspiration. Je vais déjà faire mon teint, donc base, fond de teint, anti-cerne, poudre, et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai juste fait exactement la même chose que pour Ursula, sauf que j'ai éclairci mes zones de lumière avec l'anti-cerne blanc de Jeffree Star, voilà, mon anti-cerne et mes zones de lumière. Voilà.
Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire du contouring. Donc, je reprends la Alexis Stone, quand même, Ursula. Les bases vont être à peu près les mêmes. Voilà, voilà. Et je vais prendre un petit pinceau souple. Donc, je prends celui-ci de chez Tami. Je prends le fard noir pour faire mon contouring assez marqué. Ça va être marqué, effectivement. On va en profiter pour cacher un peu les racines des cheveux. Le dégarnissage ici, regardez un peu. Je me dégarnis comme les vieilles. Voilà. On blende le bord. Alors, je reprends le pinceau là où j'ai utilisé pour poudrer. Et je blende comme un peu plus. J'ai poudré mon dessous d'yeux avec. Hein. Histoire de bien diffuser quand même le noir pour commencer. Bon, l'ovale, j'avais peut-être pas besoin de le faire en fait. Bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, je prends un autre pinceau souple. Je prends le gris ici. Bon, je vais mélanger les deux teintes là. Voilà, pour faire un contouring un peu plus flou. Alors, je prends le gris le plus clair avec le même pinceau. Et là, je vais m'en servir en tant que blush, donc au-dessus. J'hésite pas à remonter pour reflouter correctement. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est très marqué. Forcément, du contouring noir, on n'en voit pas tous les jours. Je prends la Platinum Ice de Jeffree Star et je vais prendre la teinte Glacier en tant qu'highlighter. Forcément, de toute façon, c'est un highlighter. Le maquillage des yeux d'Hadès. Alors, je vais reprendre ma photo. Les vilains, Hadès ici. Ouais, c'est principalement du gris et noir. Donc je commence par faire une base noire au crayon. Donc j'ai pas mis de base, hein, ça servait à rien. Et j'ai un petit peu encore de résidu du fard du premier make-up. Voilà, et avec un pinceau synthétique, je blends surtout le port. J'ai pas fait mes sourcils, les gars, faut me le dire quand c'est comme ça. De toute façon, les sourcils, pas de surprise, on va également les faire en noir. C'était pas malin de faire les deux yeux en même temps, cocotte. Voilà. Alors, je vais garder le jumbo pour mettre en muqueuse supérieure et inférieure. Je viens de manger, hein. Alors les bruits chelous, c'est mon ventre. Là, je blende directement au doigt. On va passer donc au fard et je vais prendre celui-ci avec le gris le plus clair. Que je vais mettre sous mon sourcil. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait mes sourcils. Hein. Donc je fais ça et on fait les sourcils. Donc, sourcils en noir. Forme classique qu'ils ont pour l'instant. Et puis je peux me rapprocher un petit peu aussi. Donc on recommence. Premier fard gris très clair. J'en remets un peu sous le sourcil. Oh, je me suis pas rapprochée, mais ça va plus. Hein. Donc ici, je redescends bien ici dans le creux de l'œil. Et je me rapproche. Mais quoique le rapprochement n'est pas très conclu. Je prends le gris ensuite ici, le deuxième, enfin le premier gris en partant du bas, pour mettre dans mon creux. Donc ici, on ne cherche pas à faire quelque chose de net. Hein. Pareil en racine. Ensuite, pinceau plat, donc je prends le Urban Decay et je prends le noir. On va le tapoter parce qu'il est assez poudreux. Hein. Et je le mets sur ma paupière mobile. Et avec l'autre pinceau, je reblende dans le gris. Alors, la palette, j'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais prendre le pigment pommade Lemon Yellow, je crois, ou ça doit être quelque chose comme ça. Pour faire. En fait, il a les yeux jaunes, donc je vais faire un rond en coin interne. Pour faire l'œil, mais je sais pas trop comment faire. Je pense que je vais faire avec le cucu d'un pinceau.
soit bien rond. Donc là, je frotte bien. Après, celui-ci est largement plus grumeleux que les autres. Bon, c'est pas convaincant. On va mettre un petit peu de mixing liquide dedans pour le liquéfier un ch'touille. Je sais pas pourquoi le jaune est si grumeleux par rapport aux autres. C'est chiant. On recommence. Je mixe avec le même pinceau et le mixing liquide. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ça fait Pac-Man. Voilà. Alors, je vais le farder. Je vais prendre un petit peu du jaune, le premier jaune de la palette, pour le fixer, pour être sûr qu'il ne bouge plus. Voilà. Avec un liner feutre, donc je prends le essence, je vais faire un tout petit rond en coin interne pour la pupille. Si j'y arrive, hein, et que ça ne file pas. Ok, ça fait un peu bizarre quand même, hein, mais bon. Ensuite, je vais prendre la technique du mouchoir d'Indy. Voilà, je chiffonne un mouchoir en papier. Voilà, voilà. Je vais prendre le fard noir. Et ici, je fais des petites traces pour la fumée de l'enfer. J'adore quand Indy, ou Marion d'ailleurs, donne des astuces comme ça. De make-up qui coûte vraiment pas cher. Un mouchoir en papier et un fard noir, quoi. Voilà. Et ça fait de la fumaille. Alors j'essuie un peu le mouchoir. Et je vais prendre le gris le plus clair. Faire pareil. Par-dessus. Pour les flammes bleues de ces cheveux. Des cheveux en flamme, des chums, des cheveux-flammes, je sais pas. Je vais quand même donner un petit coup de liner, donc je reprends le feutre hein, sur mon ras de cils, mais tout simple, pour foncer mon ras de cils. Là, ça n'a pas besoin d'être super précis. C'est juste vraiment pour noircir. Alors, cette partie-là m'inquiète un tout petit peu plus, c'est faire les flammes. Alors, je suis pas douée pour le mouvement des flammes à dessiner. Voilà, mais je vais me servir du liner bleu de chez Tamie et du Suva Beauty Space Panda pour faire des flammes ici, bleues et blanches. Donc, écoutez, on va tenter, on verra ce que ça donne. Je risque de foirer totalement ce que je viens de faire, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc je commence par le bleu avec un pinceau liner. Je ne sais pas faire les flammes. La forme des flammes, c'est assez compliqué à faire finalement. Pour que ça ressemble vraiment à des flammes, quoi. Alors, j'ai pas envie de tout cacher. On va commencer ici. J'ai peut-être fait un peu liquide. Donc là, je préfère le faire au liner à l'eau. Hein. Je sais pas trop si ça va ressembler à des flammes. Hein. J'ai un gros doute. Hein. Vous trouvez que ça ressemble à des flammes, vous? Je suis pas super sûre. Hein. Je suis pas super sûre. Non. C'est pas beau. Voilà, et je pense que je vais même pas avoir besoin du blanc parce que sinon ça va trop gâcher le truc. Bref, on fait pareil de l'autre côté. Je sais pas quoi en penser. J'ai pas l'impression que ça ressemble vraiment à des flammes. Mais bon, tant pis, c'est fait, ma pauvre Lucette. Alors, je vais prendre un pinceau comme ceci, très pointu. Et du coup, je vais prendre le bleu, le tout foncé ici, pour mettre par-dessus, pour foncer l'intérieur des flammes, qui ne ressemblent pas à des flammes. Voilà. Bon, de loin, ça peut faire office de...
Alors, mascara fossile, on mettra après rouge à lèvres aussi. Je vais m'occuper de cette partie-ci, donc je vais me reculer un ch'touille. Du coup, j'ai mis une brassière avec des bretelles parce que l'autre, elle me sert un peu trop. Donc, voilà, on fera avec. J'avais pas l'intention de faire le buste à la base pour ce make-up. Mais en me démaquillant les tentacules d'Ursula, ça a fait un truc que je me suis dit, oh, faut que je fasse. Donc voilà, je vais reprendre le jet black des trucs liner, là, voix de Révolution Pro. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais prélever de la matière. Je crois que j'arrive au bout, le truc il bouge dans le pot. Et là je tartine partout, jusque sous mon ovale du visage. Faudrait que j'achète des gros fards à l'eau hein, ou des gros fards à l'huile, je sais pas, mais après je fais pas assez de make-up artistique pour faire un truc comme ça. Alors le menton. L'ovale ici. Et on tartine. Allez. Tartinons. Peut-être mettre quand même une goutte de mixing, comme ça il sera un peu plus fluide et plus facile à prélever. J'espère que ça va rendre que. Parce que j'espère que ça va rendre. Voilà, on va essayer avec ça. Et je prends mon huile démaquillante. Je secoue. J'en prends un petit. Une petite pompe. Et là, je vais étaler comme si je démaquillais pour bien l'étaler un peu partout et donner un effet de fumaillon. Et voilà. Ça fait bizarre. C'est trop bizarre. Bon, maintenant, il faut se nettoyer les doigts. Donc ensuite, je reprends la palette Alexis Stone, je prends le noir, un gros pinceau, enfin moyen quoi. Et là, j'étale un peu de fard pour sceller quand même, puisque c'est quand même de l'huile démaquillante. Et refaire un peu des ombrages à droite à gauche. Voilà. Et retour du mouchoir en papier. On prélève le noir et... On tamponne pour faire un effet de fumée. On fait pareil avec le gris clair. Et voilà, ça fait bizarre quand même. Donc, mascara fossile et rouge à lèvres, je mets du gris, c'est le key best. Et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce qui conclut ce look Hades. Alors je sais pas ce que vous en pensez, je suis un peu déçue, je dois vous l'avouer. C'est surtout les flammes, ça rend pas vraiment ce que je pensais. Et ici on a plus l'impression que j'ai de la barbe que de la fumée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez quand même aimé au moins l'idée. Voilà, dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez. Et j'ai hâte d'avoir vos retours quand même. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. Et voilà, voilà, c'est gratuit, c'est gentil pour moi, et vous, ça vous coûte rien, donc on est content. Et n'oubliez surtout pas d'aller voir en barre d'infos les vidéos de personnes qui l'ont fait, et évidemment les vidéos de Amy et Manon. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne, à leur laisser un max de pouces bleus aussi, et des gentils commentaires. Voilà, voilà, et donc on se retrouve demain avec un swatch de make-up. Vendredi avec le live à 8h30 avec DJ. Et voilà, voilà. Et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous.